Oh, thank you. Thank you, Monsieur Sherlock Holmes. La radiodiffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les enquêtes de Sherlock Holmes, réalisée par Abderisker d'après l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle. Aujourd'hui, le traité naval. Ici Maurice Renaud. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Avec le traité naval que vous allez entendre dans un instant, Sherlock Holmes va vous faire assister aujourd'hui à un raisonnement d'après les faits relevés sur les lieux du crime, ou plutôt du délit, puisque cette fois-ci, il n'y a pas de victime, mais qu'il s'agit d'un vol. Le premier principe de Sherlock Holmes est de ne partir que d'une base solide. Tant qu'il n'est pas en possession de faits assurés, patents ou contrôlés, il évite de raisonner, puisque la base même de ce raisonnement serait instable. Il souligne lui-même l'application de ce principe. Lorsqu'un jour, au cours d'une enquête, on lui demande « Vous soupçonnez quelqu'un ?» Il répond « Je me soupçonne moi-même » et devant l'étonnement de son interlocuteur, il complète sa pensée en disant « Je me soupçonne d'avoir trop rapidement tiré mes conclusions ». Celui qui prétend connaître les causes sans y remonter suivant les règles d'une logique rigoureuse devine. Et Sherlock Holmes l'a déclaré un jour à notre ami Watson « Jamais je ne devine ». C'est une habitude détestable qui détruit la faculté de raisonner. Vous vous en souvenez, mon cher Watson ? Bonsoir, mes chers amis. C'est le docteur Watson qui vous parle. Un matin de 1890, j'achevais de m'habiller et dans le salon de l'appartement de Baker Street que Sherlock Holmes partageait avec moi, mon ami jouait du violon avec une fantaisie qui indiquait une excellente humeur. Bonjour Holmes. Bonjour. Même ma parole, vous jouez en duo avec l'orgue de Barbarie du vieux John. Oui, ce matin, je me sens l'âme populaire. Allez, regardez-le par la fenêtre. Il vous a entendu. Il est très fier, vous savez. Dites-moi, si nous donnions un titre à cette rengaine, la complainte de Baker Street, qu'en pensez-vous ? Excellente idée. On pourrait mettre là-dessus des paroles apitoyant les foules sur le sort de quelques grands criminels. Envoyé à la potence par Sherlock Holmes. Pourquoi pas, oui. Un sucre ou deux ? Oh, un rasoir, dommage. Je m'amusais bien. Fermez la fenêtre, Watson. Moi, je vais ouvrir. Ah, excusez-moi de vous déranger. Vous êtes, je pense, Monsieur Sherlock Holmes ? En effet. Ah, ravi de faire votre connaissance. Le docteur Watson est-il là ? Oui, si vous voulez entrer. Watson, c'est pour vous. À la vérité, c'est vous aussi que je viens voir, Monsieur Holmes. Chère vieille chose, comment vas-tu ? Excusez-moi, je... Quoi, tu ne me reconnais pas ? Herbert Phelps, ton vieux copain de Cambridge. Oh, Herbert ! Comment ça va ? J'avoue que j'étais à 100 lieues de penser à toi. Mais j'ai tellement vieilli, moi je t'ai reconnu tout de suite. Mais non, c'est cette barbe blonde. Oh. Oh, excuse-moi. Mon ami Sherlock Holmes. Asseyez-vous, monsieur. Merci. Voyez-vous, Holmes, j'ai fait la plus grande partie de mes études avec ce garçon. C'était le roi des chahuteurs. Comme je suis content de te revoir. Alors, t'es-tu assagi ? Oh, tu sais, la vie est si courte. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Tu es marié ? Oh, grand Dieu, non. Jusqu'ici, je me suis occupé de chasse en Alaska. Ah, trappeur ? Oui, j'ai mené cette vie passionnante. Mais j'en ai un peu assez, alors j'ai fondé un comptoir et maintenant, c'est moi qui finance les coureurs d'aventure. Bravo ! Ben dis-moi alors, tu es content ? Ah, ravi ! La fourrure, dis donc, ça nécessite d'énormes capitaux. Oui, oui, mais enfin, quand on est sérieux et qu'on connaît le métier. En tout cas, mon vieux, ce n'est pas pour te raconter ma vie que je suis venu. Je ne voudrais pas abuser tes instants ni de ceux de M. Holmes. Aussi, irai-je droit au but. Ce que vous avez à dire me concerne. Hélas, oui, M. Holmes.
Vous êtes pour mon frère la bouée de sauvetage du désespéré. Mais c'est vrai, tu avais un frère, un peu plus jeune que toi, je crois. Oui, nous avons 4 ans de différence. Nous nous adorons et il vient de lui arriver une aventure épouvantable, une histoire sans issue. À moins que vous, monsieur Holmes... Enfin bref, me souvenant que Watson était votre ami, j'ai dit à Edward, je vais demander à mon vieux copain de me présenter à Sherlock Holmes, il n'y a que lui pour te tirer de là. Je le convaincrai de venir te voir, tu lui donneras tous les détails, et il est possible qu'à ses yeux, celui qui nous paraît à nous le plus insignifiant soit au contraire le plus important. Alors voilà, monsieur Holmes, voulez-vous vous occuper de mon pauvre Edward ? Avant de vous répondre, j'aimerais avoir quelques précisions. Mais oui, c'est bien légitime, excusez-moi. Je dois d'abord vous dire que mon frère n'est pas marié, que nous habitons avec notre mère une vieille maison de famille à Woking, 1 heure de train par la gare de Waterloo. Nous vivons là paisiblement. Bientôt, hélas, Edward se mariera, il est fiancé, et je me retrouverai seul avec maman dans cette demeure où tant de souvenirs nous attachent au passé. Edward a 30 ans, et grâce à sa brillante intelligence, à ses qualités exceptionnelles, je peux bien le dire aussi à l'appui de notre oncle, Lord Hawkehurst, qui, comme vous le savez, est un des leaders du Parti conservateur, il occupe aujourd'hui un poste envié au Foreign Office. Or, il y a quelques semaines, un document ultra-secret lui a été confié, et le document lui a été volé. Les conséquences de ce vol peuvent être dramatiques. Je ne crains pas de dire que la paix en Europe est menacée. Est-ce possible ? Depuis des semaines, Scotland Yard est sur les dents, et l'enquête, hélas, en est toujours au même point. Edward en a fait une fièvre cérébrale, et sa carrière est ruinée si l'on ne retrouve pas ce document. En quelles circonstances ce vol a-t-il eu lieu ? Eh bien, j'aimerais que ce soit mon frère lui-même, M. Holmes, qui vous expose l'affaire. Grâce à Dieu, sa santé est à peu près rétablie, et il pourra répondre beaucoup mieux que moi à toutes les questions que vous lui poserez. Il y a un train à 9h30. Accepteriez-vous de faire un saut jusqu'à Woking ? Étant donné l'amitié qui vous lie au Dr. Watson, je suis prêt à vous suivre. Oh, merci, monsieur Holmes. Dans ces conditions, tous les espoirs nous sont permis. Un quart d'heure plus tard, nous étions tous les trois à Waterloo Station et après 1 heure de voyage, nous apercevions le joli village de Woking, niché dans les bois de pin. Quelques minutes de marche et l'on nous introduisait dans une chambre au rez-de-chaussée d'un vieux manoir somptueusement meublé. Là, était étendu sur une chaise longue, un jeune homme au visage émacié. Auprès de lui se tenait assise une jeune fille très belle, dont les yeux sombres et la magnifique chevelure noire contrastaient avec la pâleur encore maladive du convalescent. Merci du fond du cœur, monsieur Holmes, d'avoir bien voulu venir jusqu'ici. Merci à vous aussi, docteur Watson. Je vous présente ma fiancée, Annie Harrison. Messieurs, asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Depuis 9 semaines que je suis tombé malade, Annie n'a pas quitté mon chevet. Et elle m'a soigné avec un merveilleux dévouement. Souffrez qu'elle reste auprès de moi pendant notre entretien. J'ai en elle la plus entière confiance. Soit. Je n'ai hélas retrouvé mes esprits qu'il y a 3 jours, et ce n'est qu'hier soir que j'ai songé à vous, monsieur Holmes. L'amitié de mon frère avec le docteur Watson m'est soudain revenue à la mémoire. Ah, que n'ai-je pensé à vous tout de suite après le drame. Nous n'aurions pas perdu un temps si précieux. Enfin, vous êtes ici. Peut-être n'est-il pas trop tard. Souhaitons-le, monsieur. Je vous écoute. Voici. Quand mon oncle, Lord Aldhurst, est devenu ministre des Affaires étrangères, il y a 2 ans, il m'a tout de suite chargé de plusieurs missions délicates dont je me suis acquitté, je peux le dire, à son entière satisfaction. Il avait acquis une très grande confiance en moi, à tel point qu'il y a près de 9 semaines, le 28 avril très exactement, il me fit appeler dans son bureau. Ah, Edward, asseyez-vous. Que faites-vous ce soir ? Rien de particulier, si je puis vous être utile. Vous le pouvez. Vous voyez ce rouleau de papier gris ? C'est l'original d'un traité ultra-secret que la Grande-Bretagne vient de conclure avec l'Italie. Il précise notre position vis-à-vis de la Triple Alliance et notre politique d'action au cas où la flotte française tenterait de s'assurer la suprématie sur la flotte italienne en Méditerranée. Ah. Oui. C'est vous dire que les ambassades de France et de Russie paieraient cher pour connaître les termes de ce traité. Ces documents ne devraient pas quitter ce bureau, d'autant plus que vous trouverez au bas de chaque page les signatures des plénipotentiaires. Mais, me trouvant de l'obligation d'en faire prendre une copie, je ne peux éviter de m'en dessaisir pendant quelques heures. C'est pourquoi
J'aimerais que ce soit vous-même qui me fassiez cette copie. Je vous remercie de votre confiance. Il y a dans votre bureau un coffre-fort dont vous avez seul la clé, je crois. C'est exact. Alors, prenez ce traité, enfermez-le dans votre coffre, et ce soir, quand tout le monde sera parti, copiez-le, afin de me remettre votre travail dès demain matin, avec l'original, bien entendu. Vous pouvez compter sur moi. Pendant cette conversation, Monsieur Phelps, étiez-vous seul avec Lord Oldhurst? Oui, monsieur. Son bureau est grand. 10 mètres sur 15 environ. Vous étiez au milieu de la pièce? Oui, à peu près. Parliez-vous normalement? Non, mon oncle parle toujours très bas. Quant à moi, je n'ai presque rien dit. Bon, je vous remercie. Continuez, je vous prie. J'ai fait exactement ce qu'il m'avait demandé et vers 6 heures du soir, je me suis mis à copier le document. Il comportait 26 clauses et vers 9 heures, j'en avais encore copié que 14. Et ce n'étaient pas les plus longues. Alors j'étais un peu ennuyé car j'avais promis à mon frère de le retrouver à la gare pour le train de 11 heures et je craignais qu'il ne s'inquiète. Et puis je me sentais très fatigué. J'avais eu une journée harassante. Alors je sonnais pour que l'huissier de service me monte un peu de café. Est-ce du café qu'il a fait lui-même ou va-t-il le chercher dans un public house? Vous ignorez peut-être qu'en entrant sous la voûte à gauche, il y a un bureau de renseignement où jour et nuit se tient un huissier. Derrière le bureau, il y a une petite cuisine et c'est là qu'il fait du café ou du thé, qu'il monte dans les bureaux quand on le lui demande. Mais cette fois, en réponse à mon coup de sonnette, c'est une femme qui entra dans mon bureau. Vous avez sonné, monsieur? Qui êtes-vous? Je suis la femme de l'huissier qui est de service en bas. Hein? Oui. Moi, je fais le ménage des bureaux. Qu'est-ce qu'il y a pour votre service? Voudriez-vous demander à votre mari de me monter une tasse de café très fort? Mais certainement, monsieur. Tout de suite. J'ai copié encore 2 clauses du traité, puis me sentant de plus en plus somnolent, je me suis levé et j'ai arpenté mon bureau pour me dégourdir les jambes. Le temps passait et mon café ne venait toujours pas, alors j'ouvre la porte et je m'avance dans le couloir. Il faut vous dire que c'est un couloir en ligne droite, faiblement éclairé, et qui mène directement à un grand escalier, au bas duquel se trouve la loge de l'huissier. À mi-hauteur, on passe sur un palier qui dessert un autre couloir, aboutissant à un petit escalier qui descend à une porte de service donnant sur Charles Street. Si je ne me trompe, Charles Street est un cul-de-sac qui longe un des côtés du ministère. Oui, et ce cul-de-sac et la petite porte ne sont d'ailleurs empruntés que par les familiers. Passez-vous souvent par là? Très souvent. Bref, je descends le grand escalier. Au palier en question, je jette un coup d'œil sur le couloir qui y aboutit et je ne vois personne. Et enfin, au rez-de-chaussée, je trouve l'huissier endormi. L'eau pour mon café bouillait depuis longtemps, car le plancher était tout éclaboussé. Je secoue mon bonhomme. Voilà. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Alors, mon vieux, on fait de beaux rêves? Oh, monsieur Phelps, pardonnez-moi, je m'étais assoupi. Parbleu, je le vois bien. L'eau bouge, je vous montre le café tout de suite, c'est l'affaire d'une minute. Mais, qui est-ce qui sonne là-haut? Il y a quelqu'un dans votre bureau? Non. Regardez mon tableau, le petit disque blanc. C'est quelqu'un qui est dans votre bureau et qui sonne. J'ai été pris d'une sueur froide. Pensez, le traité naval était resté sur une table. Alors je grimpe l'escalier, 4 à 4, et je pousse la porte de mon bureau. La pièce est vide, mais le traité a disparu. Alors, qu'avez-vous fait? Je me suis dit que le voleur avait dû s'introduire par la porte de service et monter par le petit escalier, car s'il était monté par le grand, je l'aurais forcément rencontré. Il était peut-être caché depuis longtemps dans votre bureau ou dans le couloir faiblement éclairé. Oh, impossible, il n'y a aucune tenture, aucun placard. L'huissier et moi, nous nous sommes précipités dans le deuxième couloir et nous avons descendu le petit escalier qui donne sur Charles Street. La porte n'était pas fermée à clé, alors qu'elle aurait dû l'être. Dehors, nous avons couru. Charles Street, vous le savez, donne dans Whitehall. Là, il y a toujours un policeman en faction que j'ai interrogé. Ouais, monsieur, il n'y a qu'un quart d'heure que je suis là. Je n'ai vu qu'une seule personne venir de Charles Street. Une femme de ménage avec un châle vert pomme. C'est ma femme. Personne d'autre? Non. Alors, venez vite.
Monsieur Phelps, le voleur a dû sortir par la grande porte pendant que nous étions dans votre bureau. Une seconde. Policeman, quel chemin a pris cette femme? Ça, je me rappelle pas. Elle marchait vite, c'est tout ce que je peux vous dire. Elle est passée il y a combien de temps? Oh, il n'y a pas longtemps. Oui, mais 5-10 minutes? Pour plus de 5 minutes. Mais monsieur Phelps, ma femme n'a rien à voir dans cette histoire. Vous perdez du temps. Allons nous renseigner devant la grande porte si vous ne venez pas. Moi, j'y vais. Et là, pas si vite, vous. Dites-moi, où habitez-vous? Moi? Pourquoi? Où habitez-vous? 16 Eichvillen, dans le quartier de Brixton. Mais je vous en prie, ne vous laissez pas entraîner sur une fausse piste. Allons plutôt nous renseigner dans l'autre rue. Là, il y avait une circulation intense et bien entendu, le policeman qui était au carrefour ne put rien nous dire. J'ai alerté Scotland Yard et un certain inspecteur Forbes commença aussitôt son enquête. Le temps était très sec, aucune empreinte de pied dans le couloir ni dans mon bureau. Le tapis cloué excluait toute possibilité de trappe dans le plancher. Quant aux fenêtres, elles étaient fermées de l'intérieur et elles se trouvaient à 10 mètres au-dessus du sol. Et la cheminée? Elle est bouchée par un poêle. Non, il n'y a aucun doute là-dessus. Le voleur ou la voleuse est parti par le petit escalier qui donne sur Charles Street pendant que j'étais en bas dans le bureau de l'huissier, ou bien par la grande porte pendant que nous étions remontés dans mon bureau. Mais pourquoi a-t-il sonné? Il faut avouer que c'est là un geste incroyable pour un voleur. C'est le point le plus extraordinaire de cette affaire. Et dans le bureau, avez-vous trouvé au moins un indice sur la personnalité du mystérieux visiteur? Aucun. Pas d'odeur? Si, j'ai eu l'impression d'un parfum de femme. Ah. Édouard, vous m'avez dit vous-même qu'il y avait sur votre bureau un vase avec des œillets. C'est exact. L'odeur que vous avez sentie en entrant était-elle différente de celle de l'œillet? Je pourrais pas vous le dire. Dommage. La seule chose sûre était que Madame Tanguay, la femme de l'huissier, avait quitté le ministère avec une certaine hâte. Vous n'avez pas bondi chez elle? Si, en cab, immédiatement. C'est sa fille qui nous a ouvert. Vous désirez? Scotland Yard. Qui êtes-vous, mademoiselle? La fille de Monsieur Tanguay. Je veux parler à votre mère. Elle n'est pas encore là. Bon, c'est bien, nous l'attendrons. Entrez. D'habitude, à quelle heure est-elle de retour? Pas avant une demi-heure, trois quarts d'heure. Elle rentre ici directement? Toujours. Voulez-vous qu'elle aille à cette heure-là? Ce doit être ma petite sœur, je vais lui ouvrir. Ouais, cet intérieur m'a l'air bien mal tenu. C'est son père, cette photo? Oui, c'est un gay en costume de Goldstein Guard. C'était maman. Je lui ai dit que vous étiez là, elle revient dans 5 minutes. Nom d'un chien, où est-elle allée? Je ne sais pas, elle est repartie dans la rue. Mais de quel côté? À droite. Ça y est, elle a pris la fuite, venez vite. Nous courons, et ce n'est pas sans mal que nous la rattrapons. Arrêtez, où allez-vous comme ça? J'allais chez ma sœur. Qui êtes-vous? Inspecteur Forbes, de Scotland Yard. Qu'est-ce que vous alliez faire chez votre sœur? Voir comment elle va. Votre fille vous a dit que nous vous attendions? Oui, mais comme j'en avais pas pour longtemps... Et elle vous a dit que j'étais de Scotland Yard? Oui. Et ça ne vous a pas étonné? Si, mais comme j'ai rien à me reprocher... Et on ne le dirait pas. Enfin, mais qu'est-ce que vous me voulez? Suivez-nous, on va vous fouiller. Mais du... Allez, pas d'histoire! Nous la faisons monter dans un cab, et à Scotland Yard, elle est minutieusement fouillée par deux femmes qui trouvent sur elle une pendulette en or. Mais aucun document. Alors... Où avez-vous pris cette pendulette? Oh, ne mettez pas en prison. J'ai des dettes. Alors, sur le bureau d'un des chefs de service, j'ai vu cette petite pendule. Oh, un moment de folie. Oui, c'est pour ça que vous avez pris la fuite. Oui. On ne dit rien à mon mari. Il me tuerait. Ne cherchez pas à noyer le poisson. Sur le bureau de Monsieur Phelps, il y avait des documents secrets et vous les avez volés. Oh, je vous jure que non. Où les avez-vous mis? Mais je ne sais pas ce que vous voulez dire. Inspecteur, j'y pense, quand elle s'est sauvée tout à l'heure et que nous avons couru après elle, rappelez-vous, nous avons longé un terrain vague. Voulez-vous parier qu'en passant, elle y a acheté les papiers? C'est là que vous vous en êtes débarrassé, n'est-ce pas? Alors répondez! Mais je vous jure que je ne sais pas de quoi vous parlez. Alors sans perdre une minute, nous sautons dans une voiture et nous nous faisons conduire au terrain vague. Rien. Un complice était peut-être déjà venu ramasser des documents. C'est possible. Alors messieurs, à partir de ce moment-là, j'ai compris tout le tragique de ma situation. Jusque-là, j'avais été tellement sûr de récupérer le traité que je n'avais même pas jaugé les conséquences d'un échec. Or, elles étaient catastrophiques. Je pensais à mon oncle,
et à la honte dont moi-même et tous les miens allions être accablés, car pour des incidents de ce genre, aucune excuse n'est admise. J'étais déshonoré, et je voyais sans le moindre espoir ma carrière diplomatique brisée. C'est alors que j'ai eu une crise de nerfs. Je me rappelle confusément des gens qui essayaient de me calmer. On m'a conduit à la gare de Waterloo pour me ramener à Woking. Mais mon frère vous dira le reste, car je ne me souviens plus de rien. Avant le départ du train, l'inspecteur Forbes a vu venir à lui le docteur Ferrer, qui est notre voisin tout près d'ici. Voyant mon frère dans un tel état, le docteur se présenta à l'inspecteur et demanda des explications. Bref, il s'offrit à prendre en charge mon pauvre Edward, puisque tous deux allaient à Woking. Il nous l'amena et je n'ai pas besoin de vous dire notre émotion. Quelle heure était-il ? 1 heure du matin. Vous étiez rentré par le train d'11 heures, comme prévu. Oui, avec Annie. Ne voyant pas Edward, nous ne l'avons pas attendu. Vous n'étiez pas inquiet de son absence ? Vous savez, Edward n'est pas un enfant et nous ne pouvions vraiment pas nous douter de la cause de son retard. Mademoiselle, vous étiez par conséquent à Londres ce soir-là ? Oui, je suis allée au théâtre. Seule ? Oui. Quel théâtre ? Haymarket. Qu'est-ce qu'on jouait ? Falstaff. Où demeurez-vous habituellement, mademoiselle ? En France. Ma mère est française. Et votre père anglais, je suppose. Oui, mais nous l'avons perdu il y a 4 ans. Où habitez-vous exactement en France ? À Toulon. Ah, c'est un port militaire. Oui. Oui, c'est là où se trouve l'escadre de la Méditerranée. En effet. Pourquoi habitez-vous Toulon ? C'est un interrogatoire. Dans une affaire, mademoiselle, je réunis le maximum de renseignements, même ceux qui risquent d'être inutiles. Dans ce cas, monsieur, apprenez inutilement que Toulon est le pays de ma mère. Je vous remercie. Donc, monsieur Phelps, votre frère est arrivé ici à 1 heure du matin, accompagné du docteur Ferret. Oui, Annie et ma mère se sont levées, affolées, mais le docteur a exigé le plus grand calme. Il ne nous a pas caché que l'état du malade était sérieux. Et l'on m'a couché dans ta chambre, mon pauvre Herbert. Excuse-moi encore. Cette chambre ? Oui, c'est la seule qui donne sur le parc. Le silence y est total et je dois dire que j'y ai trouvé un repos que je n'aurais pas eu dans la mienne qui donne sur la route de Londres. Voici donc 9 semaines que je n'ai pas quitté cette pièce, gardée jour et nuit par ma mère, Annie ou une infirmière. Et je ne cessais pas de délirer. Et dans mes accès de fièvre, Dieu sait ce dont j'étais capable. Enfin, grâce à elle, j'en suis sorti. Peu à peu, la raison est revenue et c'est seulement depuis 3 jours que j'ai retrouvé la mémoire. Et l'inspecteur Forbes de Scotland Yard est venu me voir et il m'a avoué n'avoir obtenu aucun résultat. C'est pourquoi j'ai pensé à vous, monsieur Holmes. Épuisé par son récit, le malade se laissa retomber et sa fiancée lui fit boire un cordial. Sherlock Holmes demeura assis, la tête rejetée en arrière et les yeux clos. Cette attitude pouvait paraître désinvolte à un étranger, mais pour moi qui y étais habitué, j'y voyais l'indice d'une intense concentration. Au bout de quelques minutes, il se décida enfin à parler. Monsieur Phelps, aviez-vous dit à quelqu'un que vous étiez chargé de ce travail de copie ? À personne. Pas même à Mademoiselle Harrison ? Pas même. Est-ce que certains membres de votre famille connaissent les 2 chemins pour accéder à votre bureau ? Tous les connaissent. Oui. Oui, je vous remercie. Sherlock Holmes prit congé du malade, auprès de qui demeura la brune fiancée, tandis que mon camarade Herbert nous reconduisait jusqu'à la route. Avant de regagner la gare, Holmes entra à la poste et envoya un télégramme. Puis le train nous ramena à Londres et un cab nous conduisit immédiatement à Scotland Yard. Nous fûmes reçus là par l'inspecteur Forbes, un petit homme énergique et peu aimable. Mais je n'ai rien à vous dire, monsieur Holmes. Chacun pour soi. Dans cette maison, mon cher, j'ai l'habitude d'être reçu de toute autre façon. Vous vous méfiez de moi ? Non, mais si je réussis, je préfère être seul au palmarès. Sur 53 cas, mon nom n'est apparu que 4 fois. Et Scotland Yard a tiré le bénéfice intégral des 49 autres. Je ne vous reproche pas de l'ignorer car vous êtes jeune et vous manquez d'expérience. Excusez-moi, monsieur Holmes. Que désirez-vous savoir ? Où en est-on avec la femme de ménage ? Elle sera inculpée pour vol et elle a été renvoyée du ministère.
Nous l'avons remise en liberté et elle a été filée pendant des semaines. Oui, peut-être se méfie-t-elle, mais je commence à la croire innocente du vol des documents. Pourquoi a-t-elle des dettes? Elle boit du gin. Comment explique-t-elle que elle ait répondu au coup de sonnette de M. Phelps qui demandait du café? Elle dit que son mari était très fatigué et qu'elle voulait le soulager. Oui, il dormait en effet. Ben, peut-être n'était-ce là qu'une feinte. Sur lui, quels renseignements a-t-on recueilli? Tous excellents. Il a laissé au Goldstream Guard un souvenir irréprochable. Bon. Et vous, Forbes, que pensez-vous du mystérieux coup de sonnette pendant que M. Phelps était dans la loge de l'huissier? Ça, je n'en reviens pas. Il faut une singulière audace pour voler et donner l'alarme ensuite. Oui, c'est le détail le plus extravagant de cette affaire. Dites-moi, je suppose que vous avez vu Lord Holdhurst. Oui, il est très démoralisé. Vous a-t-il confirmé que les conséquences de ce vol sont graves? Oui, très graves. Elles ont commencé à se manifester, des réactions diplomatiques se sont-elles produites? Non, aucune. Pourtant, voilà bientôt 10 semaines que le vol a été commis. Faudrait-il en conclure que le voleur a été dans l'incapacité jusqu'ici de communiquer le traité aux personnes intéressées? Il est peut-être tombé malade. D'un accès de fièvre cérébrale, par exemple. Bon, pourquoi pas? Sherlock Holmes prit congé de l'inspecteur Forbes et nous rentrâmes dans notre appartement de Baker Street. Il consacra toute sa soirée à l'étude du système anthropométrique de Bertillon et ne me cacha pas sa vive admiration pour le savant français. Le lendemain matin, ce fut lui qui me réveilla. Bonjour Watson, je viens de recevoir une dépêche. Hier, j'ai télégraphié à Toulon pour avoir des renseignements sur la séduisante Annie Harrison et l'on me dit que là-bas, elle fréquente beaucoup les officiers de l'escadre française. On ajoute même que ses brusques fiançailles avec un jeune membre du Foreign Office ont provoqué des commentaires assez tendancieux. Vous croyez que... L'espionnage est un mot qui sied admirablement aux femmes. Et grâce aux espionnes, on écrit de si jolis romans. Là-dessus, Sherlock Holmes me pria de m'habiller et de retourner avec lui à Woking. Là, une nouvelle nous attendait. Ah, monsieur Holmes, je vous guettais avec impatience. Cette nuit, il est arrivé à Edward une de ses aventures. Entrez dans sa chambre, vite. Bonjour, monsieur Holmes. Savez-vous, je commence à croire que je suis la victime d'une conspiration. Alors donc? Pourtant, personnellement, je ne me croyais pas d'ennemi. À qu'avez-vous parlé? Eh bien voilà, j'ai passé la nuit dernière, seul dans cette chambre, ma santé n'exigeant plus de garde auprès de moi. Je m'étais assoupi, quand vers 2 heures du matin, je fus brusquement réveillé par un bruit léger, comme le grignotement d'une souris. Je demeurai immobile, retenant mon souffle. Peu à peu, le bruit s'accentua, et la fenêtre se mit à grincer doucement un son métallique. Il n'y avait plus de doute. Quelqu'un passait un instrument dans la fente des volets pour les ouvrir. Bientôt, le loquet de fermeture fut soulevé, puis pendant 10 minutes, je n'entendis plus rien. On voulait certainement s'assurer que le bruit ne m'avait pas réveillé. Enfin, je surpris un léger grincement, et ma fenêtre, qui n'était que poussée, s'ouvrit lentement. Alors je sautai au bas de mon lit et je me précipitais. Une forme s'esquiva et disparut dans le parc. Pouvez-vous décrire cette forme? Un homme, une femme? Comment savoir, elle était enveloppée dans une sorte de cape, le visage caché par un masque, et elle tenait dans la main un long couteau. Alors, qu'avez-vous fait? Trop faible pour courir après, j'ai crié, j'ai appelé au secours. Je suis descendu de ma chambre avec maman. Et votre fiancée? Je dormais au premier étage également, mais j'ai le sommeil très lourd. De telle sorte que vous êtes arrivé longtemps après les autres? Je pense, oui. Après une telle émotion, comment vous sentez-vous maintenant, Monsieur Phelps? De mieux en mieux, et s'il faut me bagarrer, je suis prêt à le faire. Non, non. Du calme. Vous sentez-vous assez de force pour venir à Londres avec nous? Certainement, je peux essayer, mais pourquoi faire? Ne me demandez rien, j'ajoute que vous ne serez de retour que demain après-midi. Je vous fais confiance. Bon, alors nous partons, préparez-vous. Si vite? Nous ne sommes pas à 5 minutes près. Quant à vous, mademoiselle Harrison, je vous demande instamment de demeurer assise dans cette chambre et de n'en sortir sous aucun prétexte. On vous apportera vos repas. Mais pourquoi? Si vous êtes réellement attaché à votre fiancé, faites ce que je vous demande et faites-le scrupuleusement et sans poser de questions. Bien. Ce soir, à quelle heure comptez-vous vous coucher? 10 heures. J'ai du sommeil à rattraper. Je le pense aussi.
Alors, quand vous quitterez cette chambre, fermez la porte à clé et gardez la clé avec vous. Bien. Peut-être pourrais-je accompagner mon frère à Londres, Monsieur Holmes, si une faiblesse le prenait. N'ayez aucun souci, le docteur Watson ne le quittera pas. Bien. Nous partîmes tous les trois. Je me demandais où Sherlock Holmes emmenait Edward Phelps. Ce fut tout simplement à notre appartement de Baker Street, où il l'installa aussi confortablement que possible, avec l'ordre de n'en pas bouger jusqu'au lendemain, et de n'ouvrir à personne pendant que nous serions absents. Quant à nous, Watson, couvrons-nous chaudement et prenons nos revolvers. Où allons-nous ? Nous retournons à Woking, mais clandestinement cette fois. Nous nous mettrons en faction dans le parc avant 10 heures ce soir et nous observerons la chambre du malade. Mais vous ne pensez pas que Mademoiselle Harrison ira se coucher vers 10 heures comme prévu ? Wait and see. Attendre et voir. La merveilleuse politique britannique réside dans ces trois mots, Watson. Ne l'oubliez pas. Le train nous déposa à la gare de Woking vers 9h30 du soir. Il y avait un beau clair de lune, grâce auquel nous pûmes aisément pénétrer dans le parc, d'autant plus que quelques brèches nous permirent d'escalader le mur avec la plus grande facilité. Arrivés devant la fenêtre de la chambre, nous nous couchâmes dans un bosquet, prêts à toute éventualité. Le store n'était pas baissé, et nous voyions la belle fiancée assise en train de lire. À 10h15, elle se leva et attacha les volets, et par la fenêtre demeurée entrouverte, nous l'entendîmes distinctement se retirer en fermant la porte à clé. Elle est obéissante, cette petite. C'est pour voir ça que vous m'avez amené ici ? C'est la suite qui m'intéresse. Prenez votre revolver. Et nous attendîmes. Ce fut très long. Bien sûr, notre faction comportait cette part d'excitation que ressent le chasseur à l'attente du gibier, mais ce fut quand même très long. Ça me rappelle l'affaire du ruban moucheté. Vous vous souvenez, Watson, notre attente dans la chambre d'angoisse ? Oui. Quelle heure est-il ? 1h20. Si encore je pouvais allumer une pipe. Non, non, soyons prudents. Ce ne fut que vers 2 heures du matin que se produisit un événement. Une forme enveloppée dans une cape sortit de la maison et s'approcha de la fenêtre. Elle glissa un long couteau dans la fente des volets pour les ouvrir. Elle poussa enfin la fenêtre et entra dans la chambre. Elle alluma 2 bougies, souleva un coin du tapis et s'employa à enlever une lame du parquet avec son couteau. J'en étais sûr. Que cherche-t-il ? Les documents. C'est là qu'ils sont cachés. Quelques minutes plus tard, en effet, le mystérieux visiteur sortait de la cachette un rouleau de papier gris. Puis, il replaça la lame de parquet, rabattit le tapis, éteignit les bougies et enjamba la fenêtre. Attention, Watson, arrêtons-le vite! Oh, les mains! Non, ne tirez pas! Ces papiers, tout de suite! Oh, il m'a donné un coup de couteau! Bandit! Il a son compte. Vous êtes blessé, Holmes? Il m'a seulement écorché l'épaule. L'important, c'est que nous avons les documents. Traînons-le dans la maison. Aidez-moi, Watson. Allez. Qui est-ce? Grattez une allumette et vous verrez. Herbert! Vous ne vous en doutiez pas ? Eh bien non, je ne m'en doutais pas. Ah, vraiment ? Alors vraiment, je ne croyais pas mon vieux camarade de Cambridge capable de voler des documents d'État et de donner des coups de couteau. Une fois dans la maison, Sherlock Holmes l'interrogea et quand, quelques heures plus tard, il révéla la vérité au frère atterré, il lui apporta les précisions désirables. Le soir du vol, votre frère est venu vous chercher au ministère. Il monte par le petit escalier de Charles Street jusqu'à votre bureau, et il le trouve vide. Désirant savoir si vous êtes parti, il sonne pour appeler l'huissier. C'est alors qu'il voit sur votre table le traité naval. Or, il vient de faire des opérations financières désastreuses et se trouve acculé à la faillite. Alors, en une seconde d'aberration, il saisit les documents et s'enfuit par où il est venu. Il prend le train de 11 heures et cache le précieux rouleau dans une lame de parquet de sa chambre.
Il va pour se coucher quand le docteur Ferrer vous ramène gravement malade. Tout le monde décide de vous installer dans sa chambre à lui, qui est la plus calme de la maison. Il lui est alors difficile de s'y opposer, et dès lors, votre présence permanente et celle d'une garde malade l'empêchent de récupérer les documents et de les monnayer. Ce n'est que cette avant-dernière nuit que vous avez dormi seul. Et à ce propos, je voudrais vous demander une précision. Vous sentant beaucoup mieux, avez-vous pris le somnifère que l'on vous donnait habituellement ? Non, je ne l'ai pas pris. Eh bien, votre frère ignorait ce détail. Il a cru pouvoir entrer dans la chambre et soulever une lame du parquet sans vous réveiller. Or, vous l'avez entendu, et il a dû s'enfuir. Par contre, la nuit dernière, il savait qu'à partir de 10h du soir, le champ serait libre, mais la porte étant fermée à clé, il a dû, comme la veille, s'attaquer à la fenêtre. Et il ne savait pas que vous le guettiez. En fait, vous soupçonniez Annie, n'est-ce pas, monsieur Holmes ? À un moment, oui, je l'avoue, mais c'est votre frère que j'ai surtout soupçonné dès le début. Pourquoi cela ? Parce qu'il avait menti en m'affirmant que c'était lui qui avait songé à moi pour venir au secours de Scotland Yard. Or, vous m'aviez dit le contraire vous-même lors de notre première entrevue. Ah oui, en effet, c'est moi qui me suis souvenu de ses relations de collège avec le docteur Watson et qui lui ai demandé de vous rendre visite à tous deux. Et comme il lui était difficile de refuser... Ainsi se termina l'affaire du traité naval. Le Foreign Office exigea le plus grand silence sur ce vol et Herbert Phelps ne fut pas inquiété. À ses actes délictueux, on trouva quelque excuse dans la vie aventureuse qu'il avait menée en Alaska, et c'est bien entendu dans ce pays de brigands que Lord Halderst l'expédia au plus vite. Comme quoi, la logique se fait rare, même dans le parti conservateur. Dans la série « Les enquêtes de Sherlock Holmes », vous venez d'entendre « Le traité naval », d'après la nouvelle de Sir Arthur Conan Doyle. C'est une production de Maurice Renaud. Prise de son Jean Pantaloni, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Jacques Béraud, réalisation Abderisker. Avec Maurice Tenac, Sherlock Holmes, Pierre Mondy, Dr. Watson, Claude Rich, inspecteur Forbes, Jacques Thierry, Lord Holthurst, Raoul Marco, l'huissier, Robert Fretel, un policeman,